بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشر زلاب كاتريا ماني مويان الأولياء الأوفياء منصة دروسكم تنظم لكم دورة سنوية خاصة تحت إشراف الأستاذ محمد شريط للبرنامج كاتريا ماني مويان. تجدون في هذه الحصة في هذه الدورة السنوية كل دروس السنة الرابعة بمشاريعها ثلاثة avec ses trois projets. كل دروس vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe, tous les exercices corrigés, les exercices du manuel et autres. Vous trouverez des exemples de production écrite. Vous trouverez des sujets de devoirs pour chaque trimestre. Et vous trouverez des sujets de composition pour chaque trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Tout cela présenté par M. Shariat Mohamed. Je rappelle, mes chers élèves, vous êtes au dernier palier. Vous êtes au troisième palier cette année, les élèves de quatrième année. Après avoir... vous savez, après avoir appris les types de textes au cycle moyen, on apprend les types de textes. هذا ما تعلمناه في الـ في الـ في في الطور المتوسط. في السنة الأولى تعلمت le texte explicatif, النص الشرحي والإخباري والإعلامي, وتعلمت le texte prescriptif, injonctif, الأمري. En deuxième et en troisième année, c'était le deuxième palier. C'était le texte narratif descriptif. Sardi wasfi. En deuxième année, c'était le récit imaginaire. Riwayal khayaliya. Et en troisième année, c'était le récit réel. Réel. Avec leurs projets respectifs. Pour cette année, en quatrième année, l'année d'examen, vous allez vous spécialiser dans le type argumentatif, le texte argumentatif. Avec ces trois projets, décrire en argumentant, raconter en argumentant et expliquer en argumentant. Voyons maintenant en détail projet par projet. Notre contrat d'apprentissage. Pour le projet 1, on vous demande de rédiger un blog touristique incitant à la découverte de l'Algérie. À la découverte de l'Algérie avec ces trois séquences. Bienvenue dans ma région, gloire à nos ancêtres, oui à la culture. Alors, pour le projet 2, vous aurez un dépliant en faveur du vivre ensemble en paix, vivons en harmonie et non à la violence. Pour le projet 3, vous avez des affiches ou des podcasts en faveur de la protection de l'environnement. Protégeons, séquence 1, protégeons la nature. Séquence 2, agissons en éco-responsable. Alors maintenant, voici le contenu de cette session annuelle. Projet 1, vous trouverez les trois séquences 1, 2, 3, les séances, les activités de langue, vocabulaire, les leçons prévues en vocabulaire, les leçons de grammaire, de conjugaison, d'orthographe pour les trois séquences, toutes les leçons avec des exercices corrigés. Vous trouverez des interactions des élèves, تفاعلات التلاميذ لأنها حصص مباشرة مسجلة. كل هذه الحصص سترافقك وتحضرك للنيل بعلامات جيدة في الفرض والاختبارات. Vous trouverez également en production écrite des exemples. ستجدون نماذج من وضعيات إدماجية, des exemples de production écrite, des situations d'intégration. Rédiger la thèse et la conclusion, écrire les connecteurs plus les arguments, rédiger un texte argumentatif avec des arguments et des exemples.
Voici pour ce qui est du projet 1. Pour le projet 2, un dépliant en faveur du vivre ensemble en paix. Ces deux séquences, vivre en harmonie, argumenter dans un dialogue, vous allez apprendre à argumenter dans un dialogue, et séquence 5, non à la violence, rapporter, vous allez apprendre à rapporter en donnant son point de vue. Les activités de langue, vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe, toutes les leçons du projet 2, avec des exercices corrigés. Des exemples de production écrite. Rédiger un dialogue sur l'acceptation de l'autre. Rédiger un texte argumentatif. Rapporter des propos et le point de vue, et le point de vue personnel. Pour le projet 3, vous allez réaliser des affiches et des podcasts en faveur de la protection de l'environnement. Protégeons كان موضوع كان اللي كان موضوع امتحان موضوع امتحان شهادة 2023. Protégeons la nature, séquence 7, agissons en éco-responsable, lutter contre le gaspillage et les dégradations. Les activités de langue, vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe, toutes les leçons programmées en quatrième année avec des exercices corrigés. Des exemples de production écrite. Produire un podcast, les étapes. Vous trouverez un exemple citant les étapes à suivre pour planter un arbre. Et vous trouverez également comment un exemple de production. Produire une affiche contre le gaspillage de l'eau. Voilà, mes chers élèves. Alors, profitez-en. Hadd-dora, c'est un coup. Mourafiqa laka, taylat sana. Tajid fiha kul nchigalatik, kul namadij, l'wadayat l'idmajia. Naltaqi, inshallah, fil hissas l'mubashira. التي ستبدا في سبتمبر 2023-2024. سلام. Les verbes d'opinion, افعال الراي, les verbes d'opinion. Lisons attentivement cet extrait d'une émission télévisée. هذا الاكستري هي حصه كان نص لحصه متلفزه انيمي par un journaliste. هذاك الصحفي يسميوه l'animateur, le منشط. Lisons attentivement cet extrait d'une émission télévisée sur la société de consommation et la créativité. Quel mot يدور حول la société de consommation, يعني مجتمع الاستهلاك, الاستهلاكي, مجتمع الاستهلاك و la créativité ou l'ibd ou l'scena ou l. Convaincu que Tipaza est une belle ville. Très bien. Abdelrahman, je suis convaincu que Tipaza est la plus belle village ou le plus beau village. Village, c'est un nom masculin, donc il faut accorder l'adjectif. Si vous dites village, il faut dire le plus beau village. Si vous dites ville, vous dites la plus belle ville. D'accord? Il faut corriger, Malek. Pour moi, Malek, elle dit, pour moi, je vois que Tipaza est une belle ville. Très bien. Yanel, Tipaza est une belle ville. Que j'aime beaucoup parce qu'elle représente notre nationalité et notre origine. Très bien, Yanel. Tipaza est un village côtier que je préfère. Saïf, pour moi, Tipaza est le plus beau village côtier de l'Algérie. Sbahi. حاب تقرا en ligne, احصل على بطاقتك واقرا من دارك. منصة دروسكم علم أمان امتياز.